ahead of us, and we are excited to share with everyone the information that we know will be resourceful for time to come. Like I said, my French is not the best, but I will try and mix it up a bit. I am Matiko Mborera Nyamazi. Oh, je m'appelle. Je m'appelle Matiko Mborera. Aujourd'hui, je suis ton moderator. And on my panel, I have Monsieur Armand Dano. I don't know what doctor is in French. Doctor. I'm doctor. Not doctor. Oui. No, Dr. Jonathan Cabré. It's difficult saying that you shouldn't mention that. Oui, aussi is mademoiselle, madame. Peu importe, whatever. Oui, Madame Clotilde Pervert. And they will be sharing with us some invaluable tips. And they will, this resource will be available for teams to come back to from time and time again. And we hope to really just gain a lot of tips and tricks on how to moot. So without further ado, over to you. We'll begin with Dotilt, who will then guide us through to the next session. Merci. Over to you. Merci. Bonjour Mariette. Alors, vous avez tout compris de ce qui a été dit par Mathie? Vous nous entendez bien? Oui, je vous entends bien, mais je n'ai pas tout compris. Elle expliquait qu'elle était le modérateur de cette vidéoconférence, qu'on allait vous présenter, elle nous a présenté tous les trois, et elle indiquait que vous étiez la seule pour l'instant à être présente pour, parmi les inscrits. Donc peut-être qu'il y a d'autres personnes qui nous rejoindront en cours de route. D'accord, c'est à peu près ce qu'elle a dit, je ne me souviens plus s'il y avait d'autres. Ok. Comme vous êtes la seule, je voudrais d'abord vous poser la question. Vous avez déjà préparé quelque chose pour les concours? Vous envisagez de vous inscrire? Vous êtes à quel niveau? Oui, j'ai eu à participer à un concours de plaidoirie une fois. Et ma première expérience, ça a commencé l'année passée, en août 2022. Et ça s'est terminé en janvier 2023. Et c'est un concours de procès simulé sur les droits des femmes, un concours africain. Et cette première expérience m'a fait remarquer que je n'avais pas vraiment les connaissances qu'il faut pour rédiger un mémoire pour les concours de plaidoirie. Donc, c'est ce qui a fait que j'ai tout de suite été intéressée lorsque j'ai vu l'annonce de cette formation. Donc, j'aimerais apprendre à mieux rédiger des mémoires pour mes prochaines participations à des concours de plaidoirie. D'accord. Alors, ce que Mathie demandait aussi, là, qui m'est revenu en tête, elle demandait de nous dire d'où vous venez, de quel pays, de quelle université, s'il vous plaît. D'accord, je suis béninoise et je viens de la faculté de droit et de sciences politiques de l'université d'Abomey Calavi. Ok, très bien, ça me rappelle des souvenirs, moi. Ok, très bien, c'est noté. Alors, moi, je veux faire la présentation, l'introduction hein, sur la différence entre le concours international des droits de l'homme et le concours africain des droits de l'homme, les deux concours étant proposés par le Centre des droits de l'homme à Pretoria, en Afrique du Sud, de l'Université de Pretoria. Et puis également, comment présenter, comment différencier tout ce qui concerne le droit international et les systèmes des droits de l'homme. D'accord, puisque en fonction du concours que vous visez, vous avez un focus à mettre sur telle ou telle matière. D'accord. Donc ça, c'est ma partie. Ensuite, il y aura Dr Jonathan Cabré qui fera la partie sur les mémoires, sur la rédaction des mémoires. C'est bien ça? Voilà. Et enfin, Armand Tano, qui est un confrère, qui va faire la présentation sur les plaidoiries et comment présenter, préparer sa plaidoirie et la présenter, de donner des conseils sur surtout ce qu'on a vu, on va le faire tous au fur et à mesure, donner des conseils sur ce qu'on a vu comme erreur,
chez les étudiants, les élèves qu'on a fait passer, qu'on a fait passer le concours, les présents. Il y a quelqu'un qui nous a rejoint, Vania. Vous nous entendez bien, Vania? Oui, bonjour, je vous entends bien. Est-ce que vous pouvez nous dire d'où vous venez et ce que vous attendez de cette visioconférence, qu'on puisse répondre à vos questions? D'accord, merci beaucoup. Bonjour à tous, je suis Vania Dossou, étudiante en troisième année de droit privé à l'Université d'Abomey-Calavi du Bénin. Mes attentes, j'espère pouvoir acquérir de nouvelles techniques de rédaction de mémoire. J'ai eu à participer à un concours de plaidoirie sur l'égalité des sexes organisé par Equality Now. Donc, nous avons eu à rédiger des mémoires, c'était ma première fois, mais on n'avait pas le premier prix du meilleur mémoire. Donc, je me dis qu'il y a certainement des suffisances, il y a des techniques que je ne maîtrise pas encore. Donc, de cette réunion, j'espère pouvoir acquérir ces différentes méthodes et tout. Voilà, merci. Je vous remercie, merci beaucoup mesdemoiselles pour votre participation. Alors, je l'expliquais au préalable, hein. Je ne sais pas si vous étiez déjà arrivés. Moi, je vais faire la présentation sur la différence entre les deux concours que propose le Centre des droits de l'homme. Et voilà, donc déjà pour commencer, le Centre des droits de l'homme de Pretoria, avec lequel j'ai travaillé, et mes collègues aussi, organise deux types de concours tous les ans. Le concours international des droits de l'homme, du procès simulé concernant les droits de l'homme, qui est le concours Nelson Mandela, qui est organisé tous les ans à Genève, au mois de juillet, fin juillet. Voilà, donc ça, c'est le premier concours qui est organisé, dont les langues officielles sont le français, l'anglais et l'espagnol. Voilà, donc il y a une soumission des mémoires, la sélection se fait au préalable sur les mémoires, d'où l'importance effectivement d'apprendre à bien rédiger les mémoires pour pouvoir être sélectionné parmi les à peu près 50 hein, meilleures mémoires. D'accord. Ensuite, il y a une sélection par des rounds, des épreuves préliminaires qui sont faites depuis le Covid par visioconférence sur Zoom. Comme ça, on assure la disponibilité de plusieurs juges. Et après cette sélection, il y a une dizaine des meilleures équipes qui peut venir à Genève avec ses représentants de faculté pour les quarts de finale, les demi-finales et les finales du concours de plaidoirie, dont la finale se fait devant un certain nombre de juges de renommée internationale. Voilà, donc vous pouvez avoir cherché les informations sur le site du Centre des droits de l'homme de Pretoria. C'est très important, en guise de conseil, hein, très important d'aller voir sur les sites ce que demande ce type de concours. Il faut déjà que vous ayez ce réflexe d'aller sur le site internet pour vérifier les règles du concours, vérifier ce qui est demandé, noter le calendrier de ce type de concours, puisque chaque concours a un calendrier à respecter, d'inscription, de soumission des mémoires, de voyage également. Donc voilà, c'est important que vous puissiez bien préparer votre calendrier et de préparer des petites fiches sur ce qui est attendu de vous et comment ça se passe. Donc je vous détaillerai un peu plus ce qui est attendu pour ces deux types de concours. En tout cas, pour le concours international, voilà les principales caractéristiques avec une sélection sur vos mémoires. Pour le concours africain des droits de l'homme, alors, le concours international, il réunit toutes les universités qui postulent, hein, qui sont sélectionnées dans le monde entier. Donc, ça peut être de tout pays, toute université. Il n'y a absolument aucune sélection qui est faite au préalable. Toute université peut envoyer des mémoires qui doivent être rédigées par les étudiants. Et pour le concours africain, ce concours est limité aux universités africaines, donc de tous les pays qui appartiennent à l'Union africaine. Les langues de ce concours de plaidoirie, les langues officielles sont l'anglais, le français, le portugais et l'arabe. Il y a eu l'arabe puisqu'on était en Égypte l'année dernière. Et il y a eu l'arabe. Alors après, c'est en fonction des participants, de la langue des participants. Voilà. Et ce qui est fondamental aussi à retenir, c'est que la principale différence entre ces deux concours,
c'est l'utilisation des systèmes des droits de l'homme. Pour le concours africain des droits de l'homme, il faut impérativement connaître et donc utiliser dans le cadre de vos mémoires et de vos plaidoiries des éléments, les sources et les instruments du système africain des droits de l'homme. Donc la Convention africaine des droits de l'homme et des peuples. Encore les décisions, la jurisprudence de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Voilà. Alors que pour le concours international de plaidoirie, tous les systèmes des droits de l'homme doivent être utilisés, doivent être connus, donc étudiés par les étudiants, à savoir le système africain, comme le concours africain, mais également le système européen, la Convention européenne des droits de l'homme, et avec la Cour européenne des droits de l'homme et sa jurisprudence, et le système interaméricain des droits de l'homme. Voilà. Donc, je pourrais vous donner, j'avais répertorié les différents sites internet, puisque c'est très important d'aller voir les jurisprudences et de les connaître, de vous faire des petites fiches. Donc, pour la Cour africaine des droits de l'homme, c'est African Court avec AFRICAN-6, court.org, l'adresse internet. La Cour européenne des droits de l'homme, c'est echr.coe.int. Et la Cour interaméricaine, c'est corte, donc corteidh.or.cr. Je les donne puisque ce n'est pas forcément évident. Enfin, Cour africaine et Cour européenne, c'est facile à trouver. La Cour interaméricaine, vu que moi, je suis tombée sur le site espagnol au départ, j'ai préféré vous sortir ces adresses internet. Voilà. Et voilà la principale différence pour ces deux concours et le processus de sélection. Et à nouveau, il faut le vérifier sur le site internet. Pour ces deux concours-là, allez voir le site du Centre des droits de l'homme. Le site internet, je pense que vous devez l'avoir. Vous nous le direz en question si vous ne l'avez pas. Voilà, sachant que pour connaître ces deux systèmes, moi, je vous conseille principalement d'avoir une bonne connaissance de la matière de droit international public. D'accord ? Il faut impérativement que vous fassiez aider d'un de vos professeurs et que vous potassiez. Il faut absolument travailler en détail. Alors, attendez, je mets une question. En détail, le droit international public, donc la matière générale, pour connaître les différents instruments, etc. Ah, le site de la Cour internationale. Je répondrai à toutes ces questions pendant que mes collègues présenteront leur partie. Voilà. Donc, le droit international public, revoyez les bases, les conventions, les instruments, les traités, la soft law, la hard law, les ratifications, les réserves, voilà, toutes ces notions de droit international public sont absolument fondamentales pour les concours internationaux et régionaux des droits de l'homme. Voilà, il faut également bien connaître le système dans lequel vous comptez plaider. Donc, le concours international, les trois systèmes dont je vous ai parlé, je mettrai les trois sites internet que j'ai cités. Je vous l'écrirai dans la zone message. Et le système africain, impérativement pour le concours africain. Et ce sont des instruments, on le voit hein, lorsqu'on est membre du jury de ces concours, on voit de grosses lacunes des étudiants sur la maîtrise de ces instruments. La maîtrise de la Convention africaine des droits de l'homme et des peuples, de la jurisprudence de la Cour. Donc, faites-vous aider de vos représentants de faculté, de vos tuteurs, de vos professeurs pour pouvoir bien maîtriser tout cela. Voilà. Je pense que, qu'est-ce que je vous conseille aussi? Je regarde mes petites notes, ça devrait aller. Alors, les inscriptions, vous les avez, j'avais noté inscription de novembre à avril pour le concours africain des droits de l'homme, le concours Christophe Haynes, novembre à avril, avec une publication, la publication du cas hypothétique se fait en janvier, les mémoires, la deadline est en juillet, donc la date limite de soumission des mémoires, c'est juillet. Donc notez bien ces dates dans vos agendas si vous voulez participer à un de ces concours pour éviter de manquer une date, puisque si c'est manqué, vous n'avez pas d'autre chance de vous réinscrire si ce n'est l'année suivante. Ce sont des concours, en tout cas pour le concours africain, qui exigent que l'étudiant n'ait pas encore validé de licence de droit. Le concours est réservé aux étudiants de licence 1, licence 2 et licence 3 qui n'a pas encore validé son diplôme de licence. Voilà, pour le concours international, vous avez tous les détails, il est vraiment détaillé sur le site internet du Centre des droits de l'homme, avec les échéances, etc.
Et je n'ai pas la deadline, j'ai juste les préliminaires des sélections se font en mai. L'envoi des mémoires se fait en amont. Je crois que la date limite, c'était le 1er mai. Voilà, donc confirmez tout ça sur le site internet. Et puis voilà, est-ce que vous avez des questions déjà sur ces parties? On a perdu une personne en cours de route. Bon, il n'y a pas de questions. J'ai juste une dernière précision à faire pour éviter, enfin pour vous donner des conseils. Ce type de concours de plaidoirie, en tout cas ceux qui sont proposés par le Centre des droits de l'homme de Pretoria, vous avez une présentation nécessaire sur le fond du droit, mais ça c'est dans un second temps, donc sur les problématiques droits de l'homme concrètes. En revanche, vous avez une première partie qui est absolument fondamentale sur les règles d'admissibilité, de recevabilité et de compétence des juridictions. Et cette partie, elle est souvent négligée par les étudiants. Il y a de grosses lacunes, alors que du côté demande ou défense, c'est une partie qui est absolument fondamentale et qui peut vous permettre de gagner des points. En tout cas, c'est l'introduction de votre plaidoirie et c'est la première partie du mémoire qui va être lue, donc ça vaut le coup de perfectionner tout ça. Cette partie, c'est une partie de pure procédure, c'est de la forme et de la procédure pure et dure, donc c'est pas particulièrement complexe. Ça nécessite toutefois de travailler en détail cette partie. Et c'est important de savoir aussi que dans ce type de concours de plaidoirie que le centre propose, vous devez préparer à la fois la position en demande pour le demandeur, donc pour les associations en général des représentants des victimes des violations des droits de l'homme, et également la position en défense, donc représentation de l'État visée par le procès fictif. Et donc, ça vous permet de travailler les deux positions et faites un bon travail d'équipe en vous répartissant la tâche, en connaissant également la partie de l'autre étudiante, votre coéquipier, pour éviter justement des lacunes et pour qu'on sente, nous, que l'équipe soit absolument soutenue et qu'il n'y ait pas de chacun pour soi. Voilà. S'il n'y a pas de questions, je vais passer la parole à Jonathan Cabré. Merci, Clotilde. Avec plaisir. Je remercie, chère Clotilde, pour ces précieuses instructions. Je crois que nos chères étudiantes prennent bonne note de tous ces conseils qui sont prodigués et qui, je pense, permettent de faire la différence. Et donc, je vais me charger aussi de parler brièvement de la rédaction des mémoires. J'ai cru comprendre que c'était une préoccupation partagée par nos deux étudiantes. Et effectivement, on s'aperçoit aussi qu'il y a un certain nombre de défis auxquels les étudiants sont confrontés lorsqu'il s'agit de rédiger les mémoires. C'est la raison pour laquelle il faut aussi saluer les organisateurs de ces deux concours. Nous avons ici Mati et tous ses collaborateurs parce que c'est important. C'est aussi l'une des différences que nous voyons entre les équipes francophones et les équipes anglophones. Et elles sont, du moins, je parle en ce qui concerne le concours africain. Parce qu'à ce niveau-là, on voit que ces équipes sont un peu plus habituées à rédiger les mémoires. Et donc, le premier conseil que je peux donner lorsqu'il s'agit de la rédaction de mémoire, c'est d'abord de consulter le règlement du concours. Pour chaque concours, il y a un règlement. Et ce règlement-là donne un certain nombre d'instructions. Par exemple, s'agissant du concours africain, le règlement est disponible sur le site du Centre des droits de l'homme. Dans l'onglet concours, il y a le concours africain, il y a le concours mondial. Et dans le concours africain, lorsque vous l'ouvrez, il y a un certain nombre de dispositions qui sont intéressantes. Et en ce qui concerne les mémoires, je pense au point, à l'article numéro 6, qui parle des mémoires. Et là-bas, l'instruction principale, c'est le nombre de mots ou la taille du mémoire. Parce que comme c'est un concours, il faut bien le limiter pour éviter que cela aille dans tous les sens.
Et pour le concours africain, le nombre de mots est limité à 5 000 mots. Il y a aussi, en ce qui concerne la présentation formelle, vous avez un certain nombre d'éléments. Je pense que si je ne m'abuse, il y a même un template qui est à la fin. Donc, le premier élément sur lequel j'aimerais attirer l'attention de nos étudiants, c'est le nombre de mots. Il s'agit de 5 000 mots. Nous savons qu'en tant que francophones, nous sommes très volubiles souvent, mais de grâce, 5 000 mots. Il est arrivé de par le passé que des équipes soumettent des mémoires de 15 voire 16 000 mots, donc pratiquement le triple de ce qui est demandé, ce qui soulève des questions maintenant d'équité. Comment évaluer en deux équipes si une a soumis un mémoire de 16 000 mots et l'autre soumet peut-être un mémoire de 4 500 mots? Il est évident qu'en 16 000 mots, on aura peut-être élaboré un peu plus que l'équipe qui soumet un mémoire de 4 000 mots, mais voilà. Et lorsqu'on dit souvent 5 000 mots, ce n'est pas au mot près. Il y a une certaine marge de plus ou moins 10 % qui peut être tolérée. Donc, essayez de rester dans ce canevas-là. Et la note pour le mémoire compte, je pense, c'est un tiers de la note finale. Donc, aussi, je pense que c'est cette conception-là qu'il faut corriger pour certains plaideurs. Ils pensent que c'est tout. Il faut mettre toutes les chances et ainsi de suite. Non, il s'agit d'une stratégie. Il faut mettre les arguments principaux. Si vous avez des éléments intéressants, vous pouvez souvent réserver certains pour la phase de plaidoirie. Vous aurez un peu plus de temps. Vous avez 30 minutes par équipe. Donc, un tiers de la note finale, c'est aussi important parce qu'à chaque étape, la même note est répercutée. Donc, si vous êtes en quart de finale, demi-finale, c'est toujours la même note qui suit pour la plaidoirie écrite. Et en ce qui concerne les éléments qui sont pris en compte dans la considération, dans la correction des mémoires et que les équipes doivent aussi prendre en considération, il y a 4, ce que nous appelons des indicateurs. Ces indicateurs-là sont fournis par les organisateurs du concours. Donc, le premier indicateur, c'est ce qu'on est appelé la maîtrise du cas hypothétique. Le second, ce sont les compétences en droit de l'homme. Le troisième, la présentation technique. Et le quatrième, la qualité de l'argumentation. Donc, il y a 4 éléments qu'il faudrait prendre en considération dans la rédaction du mémoire. Je répète, la maîtrise du cas hypothétique, les compétences en droit de l'homme, la présentation technique et la qualité de l'argumentation. Je vais revenir un peu plus en détail sur chacun. Donc, la maîtrise du cas hypothétique, c'est un peu... Quels sont les faits énoncés? Est-ce que l'équipe en question maîtrise les faits qui sont énoncés et analyse correctement les questions du litige? Parce que le plus souvent, le cas est rédigé de telle sorte qu'il y a plusieurs questions qui peuvent se poser. Je prends un exemple, si dans le cas, il est question d'une personne qui est âgée de 17 ans et qui fait des choses. Techniquement, l'un des éléments, c'est certainement le statut. Sommes-nous en présence peut-être d'un enfant ou d'une personne adulte? Quelle est la définition peut-être suivant les instruments des droits de l'homme africains? Donc, souvent, ce sont ces éléments-là factuels qui doivent quelque part ressortir dans votre mémoire. Mais bien plus, et je reviens sur le second élément que ma consoeur avait déjà touché, les compétences droits de l'homme. Parce qu'il y a des faits, mais il faut un certain nombre de compétences et connaissances pour pouvoir bien analyser ces faits-là. Et en matière de compétences de droit de l'homme, nous parlons des sources du droit international. Puisque les droits de l'homme sont une base du droit international, quelles sont les sources que vous utilisez? Et comme nous sommes dans un concours africain qui promeut un peu la diversité et la connaissance des droits de l'homme en Afrique, il y a une préférence qui est accordée à l'usage des sources africaines. Donc, si dans votre rédaction, vous êtes peut-être en présence d'un traité et d'un article scientifique, il faudrait voir quelle est la valeur qui doit être accordée aux deux. Est-ce qu'il faut plutôt invoquer la disposition du traité plutôt que le
l'article scientifique, aussi brillant soit son auteur, parce que ce sont des aspects de techniques juridiques. Donc, les sources, mais aussi la connaissance générale du fond et de la procédure. Comme ma conseil le disait, les questions de recevabilité, de compétences doivent être soulevées avant d'aller sur les questions de fond. Voyez-vous, vous ne pouvez pas aller directement. Donc, ces éléments-là, sans oublier les principes qui se rapportent directement aux faits. Est-ce que, par exemple, il y a, je prends un exemple, hein, une inception de litispendance, c'est quoi l'autorité de la chose jugée? Donc, souvent, dans l'affaire, il y a ces petits éléments-là. Suivant que vous êtes dans la posture du demandeur ou du défendeur, il vous faut adopter un certain, il faut prendre en considération certaines considérations. Le troisième indicateur, c'est la présentation technique. Donc, au niveau de la rédaction, le style de rédaction, les notes de bas de page, les références, mais aussi la mise en page, l'expression écrite, la bibliographie. Et là, il y a le plus souvent un défi. Parce que nous, certaines équipes pensent qu'il faut faire feu de tout bois. C'est-à-dire mettre autant d'auteurs de références que possible. Non. Parce que l'une des conséquences, c'est que cela va augmenter le nombre de mots sans le plus souvent augmenter la qualité de votre test. Donc, il faut le plus souvent aller à l'essentiel. Si vous avez, disons, une dizaine d'affaires qui peuvent soutenir votre argument, il faut choisir soit il y a une affaire qui est vraiment emblématique, opter pour celle-là. Ne pas toujours essayer de mettre un argument à chaque phrase. Mais ce sont les conséquences qui font que finalement ça augmente sans rajouter à la qualité de votre travail. Aussi, en ce qui concerne les notes de bas de page, il faut une certaine uniformité. Souvent, ça va dans tous les sens. Non, ces aspects, nous sommes juristes, on dit souvent la forme tient le fond en l'état. Donc, il faudrait que lorsque nous voyons le test, il donne quelque part, il soit bien présenté, bien mis. Et l'expression écrite, vous faire relire le plus souvent. C'est vrai qu'il peut y avoir des coquilles, mais au moins vous faire relire pour minimiser autant que faire se peut ces coquilles-là. Et donc finalement, le quatrième indicateur, c'est la qualité de l'argumentation. On voit que le plus souvent, les équipes, c'est comme si c'est là, elles veulent mettre toute leur attention, ce qui est très bien, mais les trois précédents indicateurs sont tout autant importants. Mais au niveau de la qualité de l'argumentation, on veut voir comment est-ce que vous maîtrisez, comment est-ce que vous naviguez entre les différents concepts juridiques, mais aussi comment vous faites preuve d'ingéniosité. Parce que le plus souvent, le cas hypothétique comporte un certain nombre de zones d'ombre. Et c'est à ce niveau-là, on veut voir aussi l'ingéniosité des équipes. Comment est-ce que vous pouvez interpréter une situation à votre avantage? Non, voilà, sans toutefois verser, mais souvent, il est possible d'interpréter les faits d'une manière qui puisse soutenir votre position. Donc, c'est là, et la force de persuasion et de conviction. Donc, voici brièvement énoncé les indicateurs qui sont pris en considération dans la rédaction d'un mémoire. Donc, pour me résumer, je dirais, consulter le règlement qui contient un certain nombre d'articles en trait avec la présentation technique formelle du mémoire, mais aussi ces quatre éléments que je viens de citer là. Si vous pouvez les avoir à l'esprit, la maîtrise du cas, les compétences en droit de l'homme, les sources qu'il faut indiquer suivant chaque question. Si vous avez différentes sources, si vous n'avez qu'une seule, bon, bien sûr, il faut utiliser cette source-là, mais si vous avez une diversité de sources, qu'est-ce qui doit être mis en priorité? C'est la présentation technique, l'uniformité et la qualité de l'argumentation. Donc, peut-être je me limite à là. De toute façon, nous aurons une session de questions-réponses. Mais s'il y a une question à ce niveau-là, volontiers. Sinon, je passerai la parole à Armand pour la suite des débats.
Je pense que je vois une main. Oui, je pense qu'il y a une question. Oui. D'accord, merci beaucoup pour votre présentation. J'ai une question par rapport aux différents systèmes selon les concours. Vous avez dit que lorsqu'il s'agit d'un concours africain, il faut utiliser principalement la charte africaine des droits de l'homme et des peuples et les protocoles pertinents. Et pour un concours mondial, il faut utiliser le système africain, européen et les instruments juridiques de la Cour interaméricaine des droits de l'homme. J'aimerais savoir si, par hasard, dans un concours africain, il nous arrive de ne pas trouver, par exemple, une jurisprudence dans la jurisprudence de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, mais qu'on trouve cette jurisprudence-là par rapport à la question précise qu'on voudrait aborder. Si on la trouvait, par exemple, dans la jurisprudence de la Cour interaméricaine, est-ce que ça serait pertinent de relever ça dans un concours qui porte sur le système africain? Parce que j'ai eu à remarquer ça. Bon, j'ai eu à remarquer que dans un concours auquel j'ai participé, il y a eu des participants, des adversaires qui avaient eu à utiliser certaines jurisprudences de la Cour interaméricaine, mais le jury n'a à aucun moment précisé que ce n'était pas vraiment valable dans ce cas. Donc, j'aimerais savoir si, même si dans le mémoire, on n'utilise pas, mais dans les présentations orales, si ça arrive qu'on l'utilise, est-ce que c'est pertinent, est-ce que ce n'est pas pertinent, et est-ce que, si ça arrive, est-ce qu'on pourrait pénaliser l'équipe qui l'utilise? Merci beaucoup. OK, c'est une question très intéressante. Merci. En fait, il faut avoir à l'esprit que l'une des spécificités du système africain, c'est qu'il ne se limite pas aux instruments africains proprement dit. La charte parle de tout instrument juridique pertinent. Et c'est souvent la porte ouverte et c'est ce qui fait que le plus souvent, si dans le cas d'espèce, il y a un élément qui pourrait... Bon, après, si vous parlez des plaidoiries, comme on vous l'a dit, c'est souvent fait preuve d'ingéniosité. Et la question qu'on va le plus souvent poser à l'équipe, c'est pourquoi est-ce que ce cas-là serait pertinent pour nous? Et c'est à vous de nous démontrer que voilà, voici ce que la charte dit en l'espèce, qu'il peut être fait recours aux autres textes de droit de l'homme pertinents, voyez-vous. Mais pour revenir, si cela arrive, comme j'ai dit, l'un des éléments, c'est l'ingéniosité. Si, par exemple, on vous soumet une question qui n'a pas encore fait l'objet d'analyse par la Cour africaine ou par les différentes institutions du système africain, c'est à vous peut-être de dire si la question a été abordée dans le système européen, interaméricain ou peut-être même onusien, en règle générale, que cela est valable, comment est-ce que cela pourrait être applicable? Et là, maintenant, c'est là où on voit la subtilité du juriste. Comment est-ce que vous pouvez prendre un exemple d'un autre système comparable et vous se dites que peut-être il y a des éléments, et parce qu'il y a aussi cette notion de dialogue entre juridictions. Mais, comme je l'ai dit, c'est à vous. Même pour cela, il faut toujours se baser. C'est parce que cette possibilité-là est offerte dans le système lui-même que vous pouvez aller. Voyez-vous, donc, si vous prenez cette porte d'ouverture-là, on sait que vous maîtrisez le système. Et il faut vraiment aussi qu'il n'existe pas d'exemple dans le système, parce que souvent, vous pensez qu'il n'existe pas d'exemple, mais il en existe. Donc, c'est aussi là la qualité l'une des qualités du juriste, arriver à faire la recherche pour trouver le texte de loi ou l'affaire qui adresse la question. Mais comme je vous l'ai dit, c'est possible, mais c'est à vous de nous montrer la pertinence de l'exemple dans le cas d'espèce. Mais sur cette question, mes collègues peuvent aussi, parce que là, j'ai vu que votre question, c'est à cheval entre les mémoires et les plaidoiries, donc c'est sûr que mes collègues vont certainement réjaillir là-dessus dans les minutes qui suivent. Pas Armand Clotilde, ou peut-être que c'est une très belle porte d'entrée pour Armand pour commencer en même temps et ajouter ouais. Sur cette question-là.
Moi, juste pour ma petite intervention sur cette question, avant ta partie, Armand, j'ai trouvé la question hyper intéressante parce que, justement, en plaidoirie, quand on juge les concours de plaidoirie, on attend ça des étudiants qui soient assez originaux. Donc, c'est très pertinent d'utiliser d'autres instruments, mais attention à bien le faire, puisqu'il faut être assez futé. Si ce n'est pas un instrument qui est nécessairement applicable devant la juridiction, il faut pouvoir le dire, il faut pouvoir répondre aux éventuelles questions. Mais c'est très il faut le faire, mais intelligemment. À ton tour. Oui, merci Clotilde, merci Jonathan. Vous m'entendez? Bon, très bien. Mais donc, en fait, pour rebondir sur ce dernier point, effectivement, en fait, une plaidoirie, c'est d'abord une démonstration. Donc, si vous êtes devant le système africain de protection, enfin, si vous êtes devant la Cour africaine des droits de l'homme, en tout cas la Cour fictive des droits de l'homme, l'idéal, ce serait bien que vous puissiez vous inspirer en premier lieu de la jurisprudence de cette Cour ou de la jurisprudence de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, parce que bon, la Commission a quand même un nombre de cas beaucoup plus fourni, on va dire, que la Cour, même si les décisions qui sont rendues par chacun de ces organes-là n'ont pas tout à fait la même valeur juridique, mais dans tous les cas, ce sont les décisions qui sont rendues sur des cas particuliers dont vous pouvez vous inspirer. Et il est tout à fait normal également qu'à défaut de trouver des éléments, évidemment, si vous êtes devant une Cour africaine, la jurisprudence qui doit vous intéresser, c'est beaucoup plus celle de la Cour africaine, s'il en existe, hein, il n'existe pas forcément de jurisprudence sur tous les points, c'est là que vous pouvez également faire référence à une jurisprudence de la Cour interaméricaine ou de la Cour européenne des droits de l'homme qui a quand même, on va dire, qui en la matière a quand même un système qui est extrêmement établi depuis maintenant de nombreuses années avec différents cas qui ont été, différentes décisions qui ont été rendues. Donc, c'est un peu de tout, mais pour parler maintenant de la plaidoirie en tant que telle, la plaidoirie, d'abord et avant tout, c'est une démonstration. C'est une démonstration qui doit être également vivante. Vous faites vivre en fait votre cas, vous avez rédigé vos mémoires qui constituent la base, on va dire, de votre plaidoirie, mais vous n'êtes pas obligé uniquement de vous limiter uniquement à ça. Vous devez également apprendre à vous en extraire pour pouvoir arriver à convaincre la juridiction que vous avez devant vous, le jury que vous avez devant vous qui va vous donner, qui va donc vous évaluer, savoir exactement si vous maîtrisez ou pas le cas avec tout ce que cela comporte. La première chose pour un plaideur, la qualité principale d'un plaideur, le bon plaideur est d'abord le bon juriste. Donc, vous devez être très bon juriste. Cela veut dire que vous devez maîtriser le cas. Ça, c'est le minimum. Le cas hypothétique, vous le maîtrisez, vous maîtrisez tous les paragraphes. Je ne dis pas de l'apprendre par cœur, mais vous devez savoir précisément de quoi parle le cas. Tous les points qui sont abordés, les faits, vous devez les maîtriser également. Deuxième chose qui est également extrêmement importante, vous devez être bon juriste. Cela veut dire que vous devez maîtriser la base en droit international. Donc, vous devez, comme Jonathan l'a indiqué, dans vos mémoires, on le voit, mais également dans votre plaidoirie, vous maîtrisez le système africain, le système international, les différents systèmes de protection des droits de l'homme. Vous devez en avoir une idée extrêmement claire. Le droit international public, Clotilde en a parlé, les sources du droit international public, comment la règle s'applique, la différence entre un traité, une convention, une déclaration, une résolution, une recommandation, la force contraignante, les différents organes du traité. Est-ce que ces organes-là ont les décisions ont une force contraignante ou pas? Est-ce qu'il y a des règles qui font partie du droit coutumier international ou pas? Ces éléments-là doivent être des éléments que vous devez maîtriser, en fait. Une fois que vous avez cette assise-là en tant que juriste, il est beaucoup plus facile de vous projeter dans une plaidoirie parce qu'une fois que ces éléments-là sont maîtrisés, vous présentez votre cas en essayant, comme on vous l'apprend à la fac de droit, d'avoir un esprit de méthode dans votre démonstration. Donc, il y a les faits dont on parle, il y a ce que ça peut représenter si vous défendez, vous êtes par exemple requérant, ce que cela peut représenter comme potentielle violation des droits de l'homme. Donc, à ces potentielles violations, il faudrait que cela puisse avoir également une source textuelle. Donc, vous puissiez citer, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, ou bien, si c'est la Convention européenne, ou bien, enfin, en fonctionnant la juridiction devant laquelle vous vous trouvez,
que vous soyez également en mesure de dire que dans telle ou telle ou telle situation, la Cour africaine, la Cour européenne, la Cour interaméricaine a eu à juger de tel ou tel point. Cela veut dire que sur toutes les questions qui vous sont posées, il faudrait que vous ayez des éléments qui vous permettent d'avoir une démonstration qui soit tellement claire, non seulement au niveau des sources textuelles que jurisprudentielles, que le jury qui est devant vous, ce n'est pas en fait... On ne vous demande pas de... Ce n'est pas une arithmétique hein, des cas. Ce n'est pas ce qu'on vous demande. On vous demande, dans une présentation, d'articuler les choses qui soient telles que non seulement votre présentation est claire, mais que vous arrivez à convaincre également, comment dire, le jury, en fait, qui vous évalue. Seul autant que ce soit dans le concours africain ou dans le concours mondial, vous êtes régulièrement interrompu par les jurés. Pas le jury, donc qui va chercher à vous interroger sur tel ou tel point. Et c'est sûr, on ne le retrouve pas forcément dans le système francophone parce que en tant qu'avocat, en tant que plaideur, vous plaidez, vous déroulez sans qu'on ne puisse forcément vous interrompre dans ces concours-là. Et c'est ça aussi qui fait la force des plaideurs que vous êtes. On vous demande également de pouvoir rebondir sur les questions qui vous ont posées, soit pour pouvoir préciser certains points, pour les approfondir, ou bien aussi, peut-être le jury veut également tester vos connaissances en droit international, bien la capacité que vous avez à pouvoir, la capacité que vous avez à identifier la difficulté à répondre. Vous ne pouvez pas avoir les réponses à tout. On ne demande pas ce que vous puissiez avoir tout de suite des réponses à tout. Si vous n'avez pas la réponse à la question, comment vous essayez de pouvoir éviter de manière extrêmement habile la difficulté que vous avez présentée pour pouvoir rebondir sur un autre point où vous avez peut-être des réponses beaucoup plus intéressantes, quitte à revenir hein, sur la question qui vous est posée. Vous plaidez en équipe. Donc, là-dessus, que ce soit pour le concours africain ou pour le concours mondial, les règles sont extrêmement claires. Vous avez 30 minutes pour pouvoir plaider. Ces 30 minutes, lorsque vous êtes requérant, vous devez réserver un maximum de 5 minutes pour la réplique, cela veut dire pour répondre aux arguments de la partie défenderesse, sachant qu'un plaideur, que ce soit requérant ou défendeur, ne peut pas plaider plus de 20 minutes. Donc, l'organisation du temps, elle est importante. Et aussi, la force d'un bon plaideur, c'est de ne pas forcément rester toujours attaché à ses notes. Évidemment, vous préparez, c'est tout à fait normal. On a différentes façons de plaider. Hein. On ne plaide pas tous de la même façon. On peut préparer, on peut avoir un fil directeur. Il faut aussi anticiper et prévoir. Le bon plaideur, c'est celui qui arrive à prévoir les imprévus. On va vous poser une question qui va vous entraîner sur un sujet. Forcément, votre temps continue à tourner. On ne va pas se dire que parce qu'on vous a posé cette question, vous avez forcément la faveur d'avoir 2 ou 3 minutes supplémentaires. Non. Vous devez considérer que votre présentation est toujours dans le temps qui vous est imparti. Donc, comment vous répondez à ces questions-là et comment vous arrivez à reprendre le fil de votre argumentaire? Comment vous arrivez également à pouvoir à répondre à toutes les questions, ou presque, sans forcément vous dire que je n'ai pas abordé tel ou tel point? Si le jury est très intéressé par ce que vous dites et vous pose des questions, vous adaptez le plus possible à ce que vous avez comme jury, à ce que vous avez comme question. On n'attend pas d'un étudiant qu'il arrive à présenter tous les points. Ce n'est pas forcément ça. Un, que vous arrivez à bien gérer votre temps. Si vous avez l'opportunité de faire d'argumenter sur tous les points, de bien gérer votre temps, mais également de pouvoir répondre aux questions qui vous ont posées par le jury. Pour les francophones, on le dira jamais assez également. Il y a aussi cette façon de présenter les cas ou bien de plaider qui consiste à avoir beaucoup de formules. Il y a beaucoup de francophones, c'est pas tous les francophones, mais il y a quand même des francophones qui présentent le cas en... il y a l'introduction, il y a beaucoup de choses, on va citer tel ou tel... peut-être grand maître, parce que c'est un peu souvent l'expression, il y a un grand maître qui a dit ça, il y a un professeur qui a dit ça, ou bien on va aller en fait sur des choses qui sont extrêmement périphériques, qui ne nous intéressent pas forcément, nous, en tant que membres du jury. Ce n'est pas le nombre de grands penseurs africains que vous aurez cités qui va nous intéresser là aujourd'hui. C'est comment vous arrivez à rentrer directement dans votre démonstration et comment vous arrivez à pouvoir aborder tous les points dont on parle. C'est ça qui nous intéresse. S'il y a une petite citation qui permet de faire une transition ou bien de faire une petite intro
pourquoi pas, mais l'intro doit être extrêmement brève. Allez dans, soyez précis, soyez concis, abordez le fond. Donc, vous abordez les faits, vous abordez le fond, vous arrivez à répondre aux questions. Si vous arrivez à pouvoir concentrer votre démonstration sur ces points-là, vous êtes beaucoup plus efficace dans votre plaidoirie que si vous vous perdez dans les considérations qui peuvent être peut-être jolies, mais dont on ne voit pas absolument tenir compte. Donc, c'est aussi un élément que vous devez avoir à l'esprit. Vous devez développer une aisance également à l'oral. Ça veut dire qu'un bon plaideur, c'est celui qui arrive également à pouvoir prendre la parole. Ce n'est jamais évident. Vous allez vous retrouver dans des situations où vous ne savez pas exactement. Il y a le trac, c'est normal. Mais il faut arriver à surmonter cela. Il faut se dire que vous êtes devant des personnes, certainement qui ont peut-être un peu plus d'expérience que vous, mais qui ne connaissent pas aussi bien le cas que vous. C'est vous qui maîtrisez le cas, c'est votre dossier. C'est vous qui le défendez exactement comme vous souhaitez le défendre. Et là-dessus, il faudrait que vous puissiez avoir cette confiance-là en vous, parce que c'est vrai, je veux dire, professionnellement, on est peut-être pris, nous, on n'arrive pas forcément à, on ne va pas analyser le cas de manière aussi précise que vous. La différence, c'est que peut-être avec un peu plus de recul, il y a des choses que nous connaissons qui vont faciliter peut-être à l'évaluation qu'on va faire, mais le cas, c'est vous. C'est vous qui le maîtrisez, c'est vous qui savez exactement où vous allez. Donc, vous considérez que c'est une conversation que vous avez avec des gens devant vous qui doit vous amener d'un point A à un point B. Le point de chute qui est important, qui permet au juré de savoir exactement ce que vous avez assimilé et qui lui permet également de pouvoir vous évaluer. Donc, il y a tous ces éléments. Donc, si je reprends un bon juriste, donc vous maîtrisez le cas, vous maîtrisez les sources en droit international, vous maîtrisez également la plupart des affaires qui ont été, des jugements qui ont été rendus, des décisions, des recommandations qui ont été faites. Également, là-dedans, il faut privilégier des sources qui sont beaucoup plus contraignantes que d'autres. Vous n'allez pas parler d'une recommandation d'un groupe de travail des Nations Unies comme vous allez parler d'une décision qui a été rendue par une juridiction internationale. Ça n'a pas tout à fait le même poids, même si ça permet de se dire que sur le sujet, il y a eu des choses. Donc, il y a ça, ces sources-là que vous devez maîtriser. Deuxième chose, l'argumentation que vous devez pouvoir présenter. Troisième chose, c'est l'aisance, la confiance que vous devez avoir. Quatrième chose aussi qui est très importante, c'est votre capacité à pouvoir répondre aux questions et à vous sortir des situations même qui peuvent sembler les plus difficiles. Il n'y a aucune situation dont on ne peut pas se sortir en tant que plaideur. Et puis, lorsqu'on n'a pas la réponse à une question, il faut avoir, enfin, pas à toutes les questions, sinon ça devient compliqué au niveau de la note. Mais il faut avoir l'humilité également de dire on n'a pas forcément la réponse. On peut se faire aussi aider discrètement par son coéquipier, mais de manière discrète. S'il vous met une note quelque part, vous dire voilà, il peut vous écrire quelque chose pendant que vous plaidez, vous pouvez revenir dessus. Mais il faut aussi avoir l'humilité de pouvoir continuer si on n'est pas forcément certain de pouvoir trouver la réponse tout de suite. Donc, si vous arrivez à faire un peu de tout ça, c'est sûr que les choses vont bien se passer, que vous allez certainement avoir une très bonne note. Mais bon, ça reste un concours et ce sont les équipes qui arrivent à se surpasser, qui vont aller de l'avant. Mais déjà, il est important, puisque lorsque on entre les plaidoiries, et je vais en terminer là, il y a une évaluation qui est faite, il y a aussi des commentaires qu'on arrive à pouvoir... Il y a un retour, il y a un feedback qu'on fait aux étudiants pour leur dire, sur tel ou tel point, il y a des choses qu'il faut peut-être travailler ou pas. Donc voilà, là, vous avez les éléments. Donc, si vous avez des questions, bah, écoutez... N'hésitez pas, je vous écoute, ou bien si vous souhaitez poser des questions de manière générale sur les interventions que nous avons pu avoir tous les trois, je pense que vous avez maintenant l'occasion de le faire. Merci, Amand. Il y a des questions? Any questions, anyone? I think not. All right. Thank you so much to everyone who's joined in.
Again, je suis désolée pour le language barrier, but thank you so much for joining in. This will be, this resource, this impactful resource will be available online, and I will be sure to circulate it via email, via social media, and all available platforms. It'll be available on the Center for Human Rights' YouTube page, so you can subscribe so long. And I also just want to say thank you, thank you, thank you, thank you so much to our panelists. my thanks can never be enough. They know the hard work that they, one, put into this, but also the hard work that they put into the MOOTS as a whole, and I appreciate them as a whole. They are pioneers and have a love and genuine passion for MOOTing and seeing other young human rights lawyers coming up from the crop. So thank you so much for investing your time and your wisdom. It's really, really appreciated. And unless there are any other questions, I think I can call this to a close. And I don't think that there are any, so I will stop the recording.